Il était une fois, dans le pays du Forêt, l'abbaye de Serès, lieu calme au cœur de la montagne. Mais un jour, d'étranges individus arrivèrent. Et plus étrange encore était leur manière de s'alimenter, ou de vénérer un hamster. Ces individus, que l'on nomme scouts, transportèrent du bois hors de la forêt. Ils travaillèrent ce bois des heures entières, sous le dur soleil de l'été. Et l'on vit bientôt s'élever un château. De même, ils élevèrent des gradins pour leur veiller, et un coin douillet pour le conseil des chefs. Les patrouilles s'érigèrent des outils pour faire du feu, manger, dormir, ou déféquer en tout confort. Pendant que leur chef faisait de la balançoire et jouait au baby-foot. Les scouts visitèrent de hauts lieux tels que l'abbaye de la Chaise-Dieu ou le puits en Velay. Ils se mesurèrent les uns aux autres dans un parcours du combattant qui incluait barre à grimper, pont de singe, et ramping. Puis se battirent sur une bâche savonnée, s'affrontèrent à la course de chars, dans de violentes joutes, et enfin à l'arc. Parmi les meilleurs d'entre eux, l'un fut sacré roi de France et de Dombes. Et la troupe fut heureuse et prospère.